fais? Tu fais la vidéo avec moi? On a un invité ce soir. Je pense très très sincèrement que ce soit la vidéo la plus dislikée de ma chaîne. Aujourd'hui j'avais décidé de faire une tier list. Une tier list c'est quoi? Pour faire assez simple, c'est des listes qu'on peut voir en masse sur Twitter, sur YouTube, il y en a plein qui ont défilé. On nous demande de classer sur des thèmes ou des catégories définies des choses. Exemple des films, des jeux, des séries. Je pense qu'il y a des tier lists pour tout. Pour les fast-foods, il y a des tier lists pour un nombre incalculable de choses. Franchement, je vais pas vous mentir, ça faisait un moment que je voulais en faire une. Et je me suis dit, bon, je fais sur quoi. J'ai voulu faire Netflix et je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment à jour. C'est parce que les trois quarts, je pense, iraient dans à voir, je n'ai pas vu. Et je me suis dit que pour la première, ça pouvait être rigolo de faire Disney. On va créer notre tier list nous-mêmes. En classement. Donc, chef-d'œuvre, excellent, bon, mouais, éclaté au sol, ou pas vu ou se rappelle plus. Parce que j'ai zioté vite fait ce qu'il y avait. Et c'est vrai que aux jaquettes, ça me dit rien. Donc après, j'ai pas regardé en détail, justement, j'ai pas voulu me spoil, etc. pour retrouver un petit peu la nostalgie de l'enfance. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs que j'ai pas vu. Donc, par contre, je suis un peu myope. Chaque problème a sa solution. Toy Story. Cette vidéo me met une pression. Toy Story, je le trouve excellent. Je vais le mettre dans excellent. Je dirais pas chef d'œuvre. J'adore l'histoire. J'adore le principe, j'adore les personnages, j'adore le concept. J'adore tout. Et forcément, ça a plu parce qu'il y en a eu 4. Ils sont allés au bout du bout. Ça m'étonnerait même pas qu'il puisse y en avoir un cinquième. 4. Il y a eu des mini-films. Halloween, Noël, machin, etc. Mais pas suffisamment pour être un chef d'œuvre. C'est pas non plus... l'apogée quoi. Mulan. Oh, chef-d'œuvre direct. Alors Mulan c'est vraiment il est dans mon top 3. L'histoire, mais l'histoire de la nana. C'était pas une princesse. C'est la nana, elle porte ses couronnes, elle les met sur la table, elle dit "Eh, t'inquiète. Je vais aller faire la guerre à la place de mon père. Il y a pas de voilà." Elle a dit "Je suis là en fait." Et les musiques sont folles, sont folles. Aladdin. Alors, c'est un classique. Je l'adore. Je pense très sincèrement que je vais le mettre dans excellent. Les musiques sont juste incroyables. L'histoire est fantastique. Tout est bon. Mais j'y vais. J'y vais. Pour moi, il me manque un truc. Ça peut pas être un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un classique. Hein. C'est vraiment... moi, mon fils, il sera plus grand. C'est un des films que je vais lui montrer en premier. Mais pas suffisant pour être top top. Chicken, c'est quoi ça? Putain, je l'ai vu. Je m'en rappelle plus. Alors ça, c'est vraiment le film que j'ai... Ah, quoique. C'est pas le mec qui crie là. Le ciel nous tombe sur la tête! Je m'explique. Beaucoup diront que Cusco mérite pas d'être plongé. Alors déjà, c'est pas votre liste, c'est la mienne. Cusco, c'est juste le meilleur Disney au monde. Et le truc, c'est que je l'ai apprécié autant enfant que maintenant. C'est que les blagues, elles sont vraiment dans l'air du temps pour tout le monde. Et je trouve qu'en fonction de l'âge, on l'interprète différemment. Je sais que beaucoup le voient pas comme un chef-d'œuvre et je pourrais comprendre que ce soit par rapport à l'histoire, à la qualité... du dessin à tout, mais je peux pas. Je peux pas faire autrement. C'est vraiment, c'est... Cusco, il est dans mon cœur. La petite sirène, alors... C'est un film qui me porte très à cœur, voilà, qui a une signification réellement particulière pour moi, que je trouve magnifique, les chansons, je trouve magnifiques. Maintenant, je vais me faire buter. C'est sûr, quand cette vidéo va sortir, je vais me faire buter. C'est pas un chef-d'œuvre. J'irai pas jusqu'à dire ça. Il est bon. Je peux pas le mettre dans excellent. Je peux pas. Non, je peux pas. Ça me fait... Franchement, ça me fait mal au cœur. En fait, il faudrait un middle entre excellent et bon, quoi. Hercule, je le mettrais
C'est pas un chef-d'œuvre. Non plus. C'est trop. Par contre, c'est un de mes Disney préférés. Dans le top... En fait, mon top 3, vraiment... Ah, mon top 3, top 4. En vrai, pour moi, les Disney que je préfère, c'est Mulan, Cusco, Hercule. Et j'aurais tendance à dire Peter Pan, mais Peter Pan que pour le perso. Pas vraiment l'histoire en soi, et en plus je préfère le 2. Ça m'a fait un peu chaud qu'il pêche pas Wendy, mais bon, ça c'est un autre débat. Pareil, en vrai, Hercule, pareil, je suis obligée de le mettre dans bon. Et pourtant il est dans mon top 3, mais si on prend vraiment... Cusco, je peux pas, oui je sais, je l'ai mis, mais je peux pas. Que ce soit au niveau du dessin, au niveau... L'histoire est folle, la mythologie grecque, c'est fou. C'est fou de... Attendez, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de mettre Aladdin en excellent et je mets Hercule en bon. Ça n'a aucun sens. Je le mets dans excellent. Non, vraiment, je peux. Mais je peux pas mettre au-dessus. Vraiment, je peux pas mettre au-dessus. Notre-Dame de Paris, alors direct en excellent. Les musiques incroyables, l'histoire incroyable. Pas débat. Tarzan, chef-d'œuvre. Direct. Rien que pour la bande-son et Phil Collins en chef-d'œuvre. Oh mon dieu. C'est quoi ça? La Reine des Neiges. Non mais je supporte pas. J'en peux plus. La chanson, les objets dérivés. Non mais c'est cette année. Enfin l'année dernière. Parce qu'on est en 2020. L'année dernière, quand j'ai essayé de trouver un putain de calendrier de l'Avent, il y avait que cette grosse connasse là. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Libérer, délivrer, machin, tout ça. Oh, j'en peux plus. En fait ça m'insupporte. Je crois que j'ai tellement entendu, mais la musique à foison. Puis avec toutes les petites filles, oh, les filles de 5 ans, les petites filles de 5 ans vont disliker cette vidéo tout de suite. L'histoire est cool, les dessins sont cool, mais j'aurais pas à dire qu'il est éclaté au sol. Je vais mettre mouais. Non, quoi qu'on va, il est éclaté au sol. La Belle et la Bête, pareil. Il est magnifique, les chansons sont belles. Je vais mettre mouais, parce que c'est une belle histoire, machin. Mais moi, il m'a pas transcendé. Quoique... C'est pas qu'il m'a pas transcendé. Si, il m'a pas transcendé. Mais en fait, je pars du principe que ceux que, dont je me rappelle plus, les Disney dont je me rappelle plus, c'est des Disney qui m'ont pas marqué. Mais après, ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Je peux pas mettre éclaté au sol parce que je trouve pas qu'il est mauvais, parce que j'adore les musiques. J'ai vraiment une attache avec celui-ci aussi. Je vais mettre mouais. Oh, Pocahontas, excellent. Excellent. Pff, les musiques, la nana. La ferme se rebelle. Oh, je m'en rappelle plus suffisamment. Je m'en rappelle plus. Oliver et compagnie. Pff, vu une fois, je m'en rappelle plus. Fantasia 2000, éclaté au sol. Oh, c'est pas que c'est... Enfin, je le mets dans éclaté au sol, mais en vrai, c'est un petit peu... C'est un peu faux parce qu'en vrai, je le regardais de ouf. Je l'avais en VHS. Et je le regardais de ouf, mais il faisait peur. En fait, il me faisait peur. Vu que c'était des histoires... Sans réellement de dialogue et tout ça. Et puis moi, je regardais ça, j'avais 6 piges, quoi. Donc va regarder ça à 6 ans, comprendre les trucs, tu te dis juste... Tu regardes le truc, t'es là, à côté. Tarim et le chaudron magique, pareil, je m'en rappelle pas. Et en plus, je crois, enfin, du peu que je m'en rappelle, il me faisait archi peur. Rock, c'est Rookie. Ah, je serais... Alors là, gros débat. Pff, non, je peux pas... En fait... Si je le mettais dans chef-d'œuvre, ce serait pour parler de l'amitié. Et en fait, ce que je kiffe, c'est que ça parle de la différence. C'est l'amitié entre un chien et un renard. C'est vraiment le truc improbable. Et ce qui, en plus, est un chien de chasseur. Et ce que je kiffe, c'est le principe de se dire c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'entendre ou qu'on peut pas s'aimer. Je trouve le message derrière le film hyper fort et super triste aussi. Je vais mettre dans excellent. La Belle au bois dormant. Je vais dire éclaté au sol, franchement, je suis... Ouais. Robin des Bois. Pareil, ouais, je suis pas fan, hein. Je sais que j'adore le perso. J'adore vraiment de ouf le perso, mais enfin, c'est pas l'histoire que j'aime pas, c'est... Je trouve ça chelou. En plus, je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça. Et je vous jure... Je me dis, mais comment on a fait pour regarder ça? J'ai l'impression, tout le film, j'ai l'impression que j'avais pris... Enfin, j'avais l'impression d'avoir fumé un gros joint en regardant le film, en fait. D'avoir fumé le dernier déter, comme ça, que j'avais fait comme ça, et que j'avais fumé, alors que pas du tout. Le film est chelou. Le film est hyper chelou. Le Livre de la Jungle. Putain, tout le monde dira...
Oh là là, c'est le meilleur film du monde. Tu vas me faire buter. Mais moi, pareil, moi, quoi, c'est pas un truc de ouf. Éclaté au sol, rien à foutre. Pareil, Blanche-Neige. Si on parle cinéma, c'est le premier. C'est le premier qui a fait que tous les autres ont suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par théorie, je serais obligée de le mettre dans chef-d'œuvre. Mais ce serait pas un chef-d'œuvre propre à moi, ce serait... Attendez, on va se poser une question tout con. Rachel, t'as bien aimé Blanche-Neige, toi, quand tu l'as vu, t'en penses quoi? Ouais, j'ai bien aimé, ouais, ça va. L'histoire est sympa, c'était rigolo, etc. Mais ouais, je sais pas. Bah, c'est simple, est-ce que tu pourrais le revoir? Non. Pff, non, la flemme. Ouais, donc du coup, on va mettre mouais. Les 101 Dalmatiens, oh, j'ai adoré. Alors déjà, moi, je suis fan de chiens. L'histoire, j'aime trop. Alors quand je l'ai vu, bah forcément, je voulais un milliard de pupilles. J'aurais pas dire qu'il est excellent, mais il est bon, quoi. C'est vraiment, ouais. C'est le film que je peux revoir et revoir et revoir tranquillou. Les Mondes de Ralph Puré, eh ben je l'ai jamais vu. Et franchement, je sais qu'il faut que je le regarde. La Belle et le Clochard. La Belle et le Clochard, c'est vraiment un Disney que j'ai beaucoup aimé. Petite, pareil, je l'avais en VHS, je l'ai beaucoup regardé. J'irais pas dire qu'il est excellent, il est bon. Il est bon, c'est vraiment le petit film que tu peux regarder de temps en temps, tranquillement, etc. Cendrillon. Je pense que Rachel du passé dirait, il est incroyable. Et Rachel du présent dirait... Ouais. Bambi, chef-d'œuvre. Alors, chef-d'œuvre tout de suite, c'est. Oh, il est hyper triste, il est hyper beau. Mais il est. Je trouve que c'est dur en vrai, Bambi, pour des enfants. Moi, le jour où je vais montrer à mon fils, il aura 16 ans, je pense. Peter Pan. Bah, Peter Pan, on l'a dit tout à l'heure, je pense que je vais le mettre dans excellent. En vrai, et il faut savoir, petite anecdote, quand j'étais petite, quand j'ai vu Peter Pan, mais surtout le 2, c'est vraiment le 2 qui m'a beaucoup plus marquée, je laissais la fenêtre de ma chambre ouverte en espérant qu'ils viennent me chercher. Dumbo, il est bon, c'est comme Robin des Bois. C'est vraiment, on dirait que les gens qui ont fait le scénar, ils étaient sous coke, quoi. Alice au pays des merveilles. L'histoire est juste oufissime. Je vais le mettre dans l'excellent. Parce que je pourrais le revoir facilement. Oh. Alors, le nom français, c'est Les Nouveaux Héros. Je crois que je n'ai jamais autant pleuré. Alors, il est très récent. Non, il n'est pas si récent que ça. De mémoire, je crois qu'il est de 2015. Je le mets dans le chef-d'œuvre parce que ce que émane l'histoire. Il est trop. J'ai même pas les mots tellement il me bouleverse. Je le trouve incroyable. C'est le moment. C'est le grand moment. Le roi lion. Alors je sais que les trois quarts des gens vont dire chef-d'œuvre à mort, chef-d'œuvre. Tu peux pas dire autrement, non, et tout ça. C'est un classique. Il est vraiment ouf. Mais maintenant, je serai du style à dire excellent, je crois. Je crois. Ouais, si je vais mettre chef d'œuvre parce qu'en vrai, même les live action, j'ai kiffé. Lilo et Stitch. Alors Lilo et Stitch, c'est vraiment le. C'est une petite créature qui vient de l'espace, tout ça, je trouve ça trop bien. L'histoire est super, super belle aussi. Puis c'est triste, enfin c'est tout putain, mais c'est tout, tous les Disney sont tristes quoi, les gens n'ont pas de parents. Les gens n'ont pas de parents. Sa grande soeur qui l'élève, tout ça, machin, non, il est trop, trop beau. Et ouais, la boutique vont me bannir, putain. Je le mets dans chef-d'œuvre.
Vaiana, les musiques sont sympas, il est très beau. Je crois que j'avais pas mal aimé au cinéma. Je le mettrais dans bon, je dirais pas qu'il est excellent, je me dirais « Waouh, excellent !» Non, mais je le mets dans bon parce que je trouve que c'est un bon petit film, quoi. Je vais me faire buter, c'est sûr que je vais recevoir des messages de haine sur... Vraiment, de ouf.